La première dame de la République démocratique du Congo restait déterminée à appuyer l'engagement des femmes pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Invitée de marque du village de la femme, il faut dire que Denise Nyakiero Tshisekedi a salué l'entrepreneuriat féminin et a encouragé l'autonomisation de la femme congolaise. Cette activité a mis en exergue le sens de l'entrepreneuriat de la femme congolaise dans plusieurs domaines de la vie. L'autonomisation de la femme est l'un des piliers de l'action de la fondation Denise Nyakiero Tshisekedi. C'est dans cet objectif que la première dame de la RDC a visité le village de la femme pour encourager les femmes entrepreneurs spécialisées dans la transformation de divers produits. Ce village met en exergue le sens d'entrepreneuriat de la femme congolaise dans plusieurs domaines, à savoir le cosmétique, le textile, les soins capillaires, la transformation de produits alimentaires et plusieurs autres activités. Selon la promotrice, l'objectif est de faire connaître les différentes activités des femmes congolaises au grand public. Nous avons constaté, parce que c'est un constat que j'ai eu en 2011, que quand l'entrepreneuriat n'était pas encore vraiment quelque chose de très répandu chez nous, qu'on connaissait tous quelqu'un qui sait faire quelque chose, mais que les autres ne connaissent pas. Alors au départ, on s'est dit comment faire, c'était réunir ces personnes-là et créer un bouche à oreille, en fait, pour qu'on puisse se faire connaître, et enfin, que les gens puissent se faire connaître, et voilà. Donc moi, mon premier métier, c'est la communication. Et donc j'ai marié mon idée à mon métier, et voilà comment on a réussi à créer le village de la femme. Les femmes entrepreneurs qui prennent part à ce village ont remercié le pouce du chef de l'État qui les a honorés par sa présence et surtout par son implication aux activités des femmes. J'ai été honorée par la présence de la première dame qui s'est arrêtée sur notre stand et qui a apprécié nos produits Made in Kinshasa et Made in Côte d'Ivoire. Et voilà, ce fut vraiment un honneur. Et puis la première dame est vraiment très 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 gentille. J'ai bien aimé, c'est une amant que j'apprécie beaucoup. Et comme je lui ai dit aussi quand elle est arrivée, qu'elle porte très bien le pagne. Et on a discuté sur les différents types de pagnes. Elle était très réceptive et elle est partie avec quelques pagnes et ça nous a vraiment fait du bien. Visco, c'est une marque qui représente un peu la femme africaine, la femme congolaise. La première dame de la RDC qui milite pour des femmes plus fortes promet de continuer à appuyer les femmes congolaises en général et entrepreneurs en particulier pour l'amélioration de leurs conditions sociales.